Maman, merci beaucoup. Merci, mon fils. Maman, merci beaucoup. C'est moi qui dois te remercier. Tu es toujours en train de venir rendre visite à une vieille femme. Maman. Et mon fils. Maman, j'ai aimé le mbongo pour là, spécialement la viande. Toi, tu as vu comment je suis. Tu as déjà une femme. Mon fils, tu sais, j'ai aimé le pistache que maman Noma m'a donné. Est-ce que je connais maman Noma là? Je sais que tu la connais. Maman Noma, la femme qui vient de Ah ok. Tu peux voir, tu n'as pas fait attention. Hey, merci, bonne maman. Mon fils. Hey, maman. Merci, mon hey. Fils. Tu sais, en tant que fils, tu es toujours en train de me chercher et je l'apprécie. Maman, au contraire, je suis celui qui doit prendre soin de toi. Maman, je promets de prendre soin de toi maintenant jusqu'à ton âge de vieillesse. Oui. Mon fils, pour le Seigneur t'entend. Maman. Merci beaucoup. Merci. Amen. Quand tu arrives à la maison, salue-moi ta mère, Nena. Je veux lui dire. Ta jolie femme. Tiens, Dico. Tiens, ta femme de la famille. Je veux aussi lui dire. Je sais que bientôt, on va porter ton bébé. Elle n'est pas encore prête. Je connais. Je pense qu'elle ne comprend pas. Je vois ta belle femme partout. Montant et descendant. Dans son ventre partout. Une bonne mère. Que Dieu te garde. Amen. Pour moi. Que j'entende et qu'il fasse de même pour toi. Ok, laisse-moi aller voir comment je porte. Sois sage. D'accord. Salut-moi ta mère, mon cher fils. Hey, regarde-le. On dirait un footballeur. Merci, mon Dieu. Hey, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un fils? Maman, bien fait. C'est quoi? Comment va Shizoba? Je l'ai envoyé quelque part. Aïe. C'est quoi? Pourquoi ma tête l'a demandé de venir si elle savait qu'elle ne devait pas être cela? Bien, mon fils. J'ai entendu dire que tu iras aussi au service des jeunes. Oh, oui, maman. Est-ce pourquoi tu n'aides plus tes parents à la maison? Hein? Donc, comme tu seras maintenant gradué, tu ne peux plus aider ta maman. Maman, tu m'embarrasses. Je t'embarrasse. Mon ami, dégage d'ici. Ok. Quand elle revient, dis-lui que je l'ai cherché. Mon ami, dégage. Mon ami, dégage. Rentre et tu le prends de ta maman. Maman, tu te fâches comment? Va là-bas. Tu manges comme quelqu'un qui n'avait rien à faire. Maman, ouvre le portail. Tu te fâches? Ah, on voit ça. Calme-toi. Ça dit quoi, non? Maintenant, c'est comment? Pourquoi tu... Ok. Nama. Je te dis que le truc là. Mais. Ah, mais. Désolé. C'est quoi? C'est la magie. Mais tu sais même pas. C'est même quoi? Mais non. Galon. Elle vient se mettre pour les gens comme ça. Galon, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre. C'est normal. Nama, Chukuka.
Chukuka. Nama. Tiens, Tikodi. Oh, Akaria. Je pensais qu'il avait quelqu'un. Où sont Chukuka et Nama? Chizoba, Chizoba, qu'est-ce qui te poursuit? Hey, Chizoba, Chizoba. Qu'est-ce que j'ai à l'œil? Mon œil me gratte. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas un bon signe. J'espère que rien n'est arrivé. J'espère que rien n'est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment? Hey, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? J'aime comme ça. Je suis un peu là-bas, Aka. C'est mon fils. J'ai souffert. C'est quoi ça? Un autre encore. Qui m'a fait ça? Il a trop souffert. Aïe. Mon fils. Nama. Lève-toi. Je suis vivant. Ne fais pas ça.
Il est mort. Qui t'a dit que Unama est mort? Je demande encore, comment est-il mort? Il s'est noyé. J'ai essayé de le sauver, mais je n'ai pas pu. Tu étais là quand il se noyait? Comment un arbre peut-il étouffer ses fruits? Et comment la biche peut-elle dévorer ses petits? Comment la terre peut-elle manger sa semence? Zogona, tu es devenu étrange. Tu parles en parabole. Une autre personne aurait pu être mangée, mais pas mon bien-aimé. Pas mon bien-aimé. Maman, comment as-tu permis au diable de t'utiliser? Ah, ça veut dire quoi ça? Maman, ça signifie que tu savais qu'elle ne devait pas être là. Mais tu m'as envoyé chez elle. Chizoma, quelque chose ne va pas avec ta tête? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être que si tu ne m'avais pas envoyé chez elle, j'aurais pu sauver sa vie. Quelle vie? Quand est-ce que tu es devenu un docteur? La vie d'Onama, maman. Oui. La vie d'Onama, le frère de Chukuke. Chizoma, je peux voir que tu commences à souffrir d'une petite folie. Mais je vais te débarrasser d'elle si tu ne fais pas attention. Maman, je ne souffre d'aucun trouble de mémoire. Si tu ne souffres pas de la folie, tu souffres d'Alzheimer. Maman, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. J'essaie seulement de vivre avec cette obligation. Quelle obligation? Maman, ce qui est en train de m'embêter, c'est que tu savais que tu sortiras. Pourquoi tu n'es pas allé chez cette dame toi-même? Pourquoi tu m'as envoyé? Alors que tu sortais, pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Tu as intérêt à être plus spirituel afin que le diable t'utilise pour atteindre ses fins. Tu es folle! Qu'est-ce que les démons utilisent? Hein? Tu as dit quoi? Qui est-ce que les démons utilisent, hein? Reviens ici. Tu es Dikobi. Tu ne veux pas faire le veuvage de ton mari Onama. Ou alors, tu veux dire que tu n'as même pas un peu d'argent pour acheter un seul vêtement noir? Tu n'as même pas rasé ta tête. Hey! Abomination. Hey. Ça, c'est vraiment honteux. Tu es Dikobi. Est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais aimé ton mari? Dis-lui. Il faut faire quelque chose, hein? Hey, qu'est-ce que tu dis? Qui a demandé maintenant? Qu'est-ce que tu as dit? Je te demande aussi. Maman Ikoudele, est-ce que cette femme ne va pas faire le veuvage de son mari? Oui. Donc vous êtes toutes les deux aveugles. Toi, Elisa. Toi, Obioma. Donc vous ne voyez pas que ma fille est enceinte. Et qu'elle ne peut pas se raser les cheveux ou porter l'habit blanc. Mais quoi? Mais, même comme ça, ah. Je sais que tu nous en veux. Tu fais que mon fils Nama l'a choisi au lieu de te choisir toi. Parce qu'il t'a rejeté, il m'a séché. Est-ce qu'elle n'est pas une veuve? Maman. Laisse-la le faire, non? Bon, c'est ce qu'on va voir. Maman, chez moi. Partez de chez moi. Regardez-moi des petites idiotes comme ça. Des personnes stupides comme ça, ça va ne pleurer. Ça va.
Ne pleure pas pour des choses comme ça. Ta mère sera toujours à tes côtés. Ça va. Tiens, Déco. Mon amour. Je suis désolé. Je suis désolé que mon départ ait été si précoce. Le jour de ma mort est venu très tôt. Alors je n'avais pas le choix. Même pour te dire au revoir. Je sais que ton cœur est brisé. Dans mon nouveau monde, j'ai aussi le cœur brisé. Seul et abandonné à moi. Si tu savais comment je souhaite changer le temps, je changerais ce présent plein de frustration. Mon amour, s'il te plaît, je veux que tu quittes la maison de mon père demain matin. Va dans la maison de ton père et accouche mon fils là-bas. Le mal qui m'a conditionné est toujours ici et ne s'arrêtera pas. Fais attention. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh Dieu. Je t'aime. Je t'aime. Méfie-toi. Ne me fais pas ça. Non. Oh non. Mon amour. Oh Dieu. Ton bébé, mon amour. Où vas-tu comme ça avec les choses de l'enfant? Tu m'avais resté dans la maison de mon père. Mais ça, c'est impossible, non, Tiade. Tu peux voir que je suis déjà en route. Mais tu ne peux pas faire ça. Et même, tu n'as pas encore porté tes vêtements de funérailles. Hein? Et tu n'as pas encore fini le rituel. La sincère lamentation, c'est dans le cœur et non en raison des cheveux. S'il te plaît, je dois partir maintenant. Non, je ne peux pas te permettre. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Je ne te le permettrai pas. Ta grossesse a déjà pris de l'avance. Hein? Oh, mon bébé, j'aurai mon bébé dans la maison de mon père, ok? Tu veux dire que Nama n'a pas payé ta dot? Hein? Attends, laisse-moi te demander, où veux-tu aller vivre quand tu es censé vivre dans la maison de l'homme que tu aimes? J'aime encore mon mari, Nama, mais... Tchadé, rentre dans la maison. Chupuka, qu'est-ce qui se passe? Tiso, y'a quoi? S'il te plaît, pardon. Ça, ce sont les affaires de ma famille. Pardon, ne t'implique pas dans les affaires de ma famille. Je vais m'impliquer. Je vais le faire. Vous ne pouvez pas traiter une jeune veuve comme ça. Ce n'est pas juste. Tiso, je t'avertis encore. Ne te mêle pas des affaires de ma famille. C'est ma famille et non la tienne. Une famille que tu ne connais pas très bien. donc, tu connais maintenant ma famille plus que moi. Chukuka. Laisse-la tranquille. Tizoba, va loin de ma présence. S'il te plaît, je t'avertis.
Et toi, tu veux aller dans la maison de ton père sans avertir mon père, ton beau-père et ma mère. Nous saurons quand il faudra revenir. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Si tu n'as rien à dire, dégage. Va chez toi. Tu m'entends? Je m'entends. Va vivre à l'intérieur. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Mon fils. Maman. Écoute-moi. Si je te dis que je comprends Tizoba, c'est que je te mens. Maman, quand est-ce que cela s'est passé? Récemment. Oh. Ces jours-ci se comporte comme si elle était possédée. Possédée? Mon père, s'il te plaît. Si tu veux que ta mère vive longtemps, tu verras mieux repartir avec elle lorsque tu retourneras à Bénin. Maman, attends. Tu dis qu'elle se comportait comme une possédée. Possédée. Et tu veux que je l'emmène quand je m'en vais à Bénin. C'est là il y a le problème. C'est-à-dire quoi? Parce que si quelque chose arrive à Bénin, maman, je ne pourrais pas parler. Oh. Ne t'inquiète pas, je ne peux même pas l'emmener avec moi. Hey. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution lorsqu'elle rentrera, ok? Tu sais quoi, maman? Ah, dans la cuisine. La sauce d'Ora. L'Ora soupe, tu connais, non? Je vais te tourner le semovita. Je sais que tu n'aimes plus le haku. Depuis que tu viens à Bénin. Ma yes. Chukuka, tu n'es pas un bon fils de Okonsia, ouais. Je vois maintenant qui tu es. Hey, Akaya, qu'est-ce qu'il a fait, non? Je dis, ne te mêle pas. Ton fils était à la maison et a permis que la femme de mon défunt fils partait de la maison. Si cela trouble mon fils, on portera le même pied du pantalon. Hey. Et je verrai comment toi et moi marcherons dans cette maison. Papa, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je demande, as-tu vu que tu étais un malade? Tout le gros bagage que tu as entre les jambes là ne te sert à rien. Angokalia, je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oh. Il doit avoir quelque chose qui justifie tous tes actes. Je sais. Attends de parler. Ne vois-tu pas que toi aussi tu fais partie du troupeau, hein? Je suis le seul berger qui peut diriger cette espèce de sale mouton. Papa, qui est le mouton? Et qui est le berger? Tu es le mouton, bien sûr. Et moi, je suis le berger, bien évidemment déçu. Espèce de sale mouton. Je vais te traiter ici, attends. Hey, on appelle ça quoi? Maman, je me demande comment tu as fait pour épouser un homme méchant comme mon père. Hein? Je suis finie. Hey. Mon fils, le mariage, c'est une affaire de chance. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne trouveras pas ton compte dedans. Mon fils, je ne sais pas pourquoi il est devenu comme ça. Maman, sois la bienvenue. Tchadé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux commettre un sacrilège au sein de cette famille? Ça fait juste 12 jours que ton mari est mort. Oh maman, et voici le 12e jour qu'il a été enterré. De plus, je ne suis pas là par ma propre volonté. Comment? Il m'a demandé de quitter la maison de son père et venir ici accoucher son fils. Tchadé, comment? Hein? Comment? Est-ce que tu sais ce que les gens vont dire? Hein? Est-ce que tu sais ce qu'ils vont dire? Que tu as été chassé de la maison de ton mari ou alors que c'est toi-même qui l'as tué? Quand tu ne blesses, tu n'aurais pas pu tuer mon mari. Maman, s'il te plaît. Ce monde est plein de commérages, maman. Ma fille, je suis désolée, tu ne peux pas rester ici. Tu dois retourner à Abede. S'il te plaît. Maman, es-tu en train de me chasser de la maison de mon père? Je suis désolée, ma fille. Ceci est au-dessus de mon contrôle. Ah, maman, alors ce qui est important pour toi, c'est ce que les gens vont dire? Même pas la condition de ta fille enceinte? Ma fille, mes mains sont liées. Délie-les, maman. Délie-les. Viens, ne pleure plus. Hein?
pleure plus. Pleure plus, mon enfant. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu restes ici, mais je ne peux pas te soutenir. Hein? Ça va. Je vais te laisser passer la nuit ici, mais demain, tu devras retourner. Maman, toi! Ces enfants. Ça ne veut rien dire, tu ne connais pas. Tu dois chercher la cause. Tu dois faire quelque chose pour ça. Qui est en train de le faire? Qui est en train de le faire jusqu'à présent? Ça, je ne sais pas. Ma soeur, moi-même, je ne sais pas. Ce qui se passe aujourd'hui. Hey, juste comme ça. Ce n'est pas normal. Tu dois le trouver. Jamais. Dis-moi ce qu'il faut faire. Ma soeur, dis-moi ce qu'il faut je faire pour ça. Je ne sais pas, mais quelque chose doit être fait. Nana était mien. J'ai mis toute ma confiance en Nana. Est-ce que je n'ai pas le mien? Je croyais que Nana devait prendre soin de moi. Maintenant, il est aussi mort. Dis-moi ce qu'il faut faire, ma soeur. Nous devons savoir. Nous devons faire quelque chose. Quelque chose doit être fait. Arrête de pleurer. Dis-moi ce qu'il faut faire. D'accord. Non, je ne suis pas là pour le moment. Hein? Je suis encore un peu. Hé, grand frère, bonne arrivée. Hé. D'où sors-tu? S'il te plaît, puis-je te rappeler? Hein? Grand frère, je suis allé voir Chukuka. Il ne va pas bien. Désolé, tu attends. Je sais que tu as grandi. Tu es déjà assez mature et peux déjà avoir des petits amis. Mais ce n'est pas une raison pour que tu sortes depuis le matin, abandonnant maman travailler ici toute seule. Grand frère. Tu me prends comme ça par rapport à ce que maman t'a dit. Bah, tu me fermes la bouche parce que maman ne m'a rien dit. Grand frère, à ton âge, j'ai vu ton statut. Tu es toujours là comme un fils à maman. Quand tu vas te marier, quand maman va dire que tu envoies ta femme comme un paquet, tu vas juste le faire. Écoute, tu es en train de me parler? Ou as-tu pris cette sale habitude de vouloir me parler de cette façon? Te parler comme ça? Bien. Je devais juste te dire les choses telles qu'elles sont. Ok, maintenant je sais. Maintenant je crois à tout ce que maman m'a dit. Grand frère, je crois maintenant. De ce que maman t'a dit. Tu comprends? Demande-lui quel genre d'homme tu es. Arrête de t'attacher à maman comme si tu voulais téter comme un bébé. Sois tel que ton nom le décrit. Ta bobo. Sois dès aujourd'hui à la tête de cette famille. Je devine que tu es en congé. Dégage d'ici. Moi-même, c'est mon nom. Et tu sais quoi, Thébé? Tu n'as pas encore cherché à trouver ce qui tue tes enfants. Que veux-tu que je fasse, Nicole? Qu'espères-tu que je fasse? Mes mains sont affaiblies. Tu dis qu'est-ce que je voudrais que tu fasses? Tes mains sont attachées. Attachées par qui? Et tu me fais peur. Regarde tes enfants. Doucement, ma soeur a fait 7 enfants. Il ne reste
qu'un seul survivant. Tu es là, regardant, disant que tes mains sont attachées. Nkolo, j'ai essayé de mon mieux. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Donc tu veux que moi j'aille déranger mes ancêtres parce que je dois leur poser des questions qui n'ont ni le temps ni le cœur. C'est ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu t'entends souvent parler? Qu'est-ce que tu veux alors? Puisque tu ne veux rien faire pour tout ceci, moi j'irai découvrir ce que tu es tes enfants. Nkolo, tu devrais dire que c'est ton défunt mari. Maintenant je vois ce qui a tué ton mari. C'est pour ça que tu as tué ton mari. Tu viens de te révéler toi-même. Maintenant tu veux venir chez moi me parler de ça quand tu ne sais pas ce qui ne va pas. Nkolo, tu feras mieux de savoir ce que tu veux avant de poser une question. Parce que mon mari est mort, que tu me parles comme ça. Tu m'accuses de voir, tu m'envoies mon mari. Parce que j'essaie de résoudre les problèmes de ta famille, ça veut dire que j'ai tué mon mari. Attends-moi, parce que je reviendrai. Je vais découvrir ce que tu es tes enfants. Attends-moi. Ce régime de plantain a atteint la maturité. Oh. Maintenant que mon beau-fils m'est apparu et que j'ai repris ma fille, vais-je pouvoir marcher dans la rue sans entendre un murmure ou alors de moquerie? J'espère juste que je fais ce qui est droit. Ne fais pas ça, ma fille, hein? Je suis désolée, hein, mon enfant. Laisse-moi ça. Tu n'as pas à partir. Pardonne ta mère, je suis désolée. S'il te plaît. La maison de mon père. L'as-tu réalisé avant de me demander de rentrer dans la maison de mon mari? Hein, maman? Ou bien les gens ne vont plus moucharder sur toi? Pardon, laisse-moi ça. Non, arrête, ça. S'il te plaît. Hein? Ton mari m'est apparu. Maintenant, je comprends mieux. Hmm? S'il te plaît, pardonne ta mère. Oh, parce que mon mari t'est apparu. C'est pour ça que tu supplies, maman. Et s'il ne t'était pas apparu, tu m'aurais mise à la porte, maman. S'il te plaît, hein? Maman, pardon, laisse-moi tranquille. Maman, tu es insensible. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, pardonne ta maman. Pardonne-moi, non? S'il te plaît, ne pars pas. Tu es dans la maison. Ma belle-mère est à 100% bonne plus que toi. Ma fille, ne fais pas ça. Maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je dois partir. Reviens, je t'en prie. Tio. Tio Ndiake. Chukuka. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu cherches dans ce quartier? Ha! Je ne peux pas venir te voir. On dirait que tu as perdu ton chemin. Tu viens ici. Je te comprends. Peut-être que tu t'es mal réveillé aujourd'hui. Je me suis bien réveillé. Je me suis très bien réveillé. C'est juste que j'ai rêvé de nous et j'ai décidé de venir te voir. Oh, Joseph le rêveur. De quoi as-tu rêvé? As-tu rêvé que tu es fermé au Nigeria? Attends. Tiens. Regarde. Je sais que tu es fâché contre moi. Tu es toujours fâché contre moi, n'est-ce pas? Me fâcher à propos de quoi? Comment je peux être fâché d'un homme qui a perdu son chemin et arrivé chez moi? Comment je peux être fâché d'un homme qui rêve des fantaisies? Au lieu de rêver de la maison de son père, la seule chose que j'ai à dire de cet homme, Mindo, désolé. Regarde, depuis un certain temps, tu parles en parabole. Les trucs que tu dis, les choses que tu penses, les choses que tout en toi a changé. La seule chose constante de la vie, c'est le changement. Je pensais que la connaissance était le pouvoir. Peut-être que j'ai déjà la révélation de la connaissance, qui me fait raisonner plus profondément que d'habitude.
revoir la connaissance. Qu'est-ce que tu veux dire? Lorsque tu as refusé de sélectionner la philosophie, je l'ai fait. J'ai choisi d'étudier la philosophie. Je me suis intéressée à une branche qu'on appelle épistémologie, qui signifie l'étude critique de la science. Dans l'épistémologie, il y a plusieurs types de connaissances, parmi lesquelles il y a la révélation de la sagesse. Maintenant, je vois d'où vient ta folie. Je t'avais averti de ne pas choisir la fille là comme ça. Je t'ai dit que la philosophie rend certaines personnes folles. Mais tu as préféré ça. Maintenant, tu es gradué. Ta folie là augmente seulement. Tu es juste un éduqué illettré. Si tu n'es pas un illettré, tu es quoi? Écoute, tu ne mérites même pas la licence que tu as. Dieu merci, je l'ai eu. Je prie seulement que durant notre service de jeûne, on ne t'envoie pas dans les écoles donner cours. Bref. Hein? Je suis ici pour te dire que je suis désolé. Plus la rude façon dont je t'ai traité la dernière fois que tu es venu à la maison. Si tu savais ce que c'est la connaissance révélée, tu n'aurais pas été agressif envers moi et la femme de Nama. Il y a même quoi avec cette chose insensée que tu appelles revue là? Chukuka, quand le moment viendra, les fous accourront pour voir, mais les sages resteront assis et verront. Tiens, qu'est-ce que tu appelles imbécile? Pourquoi tu n'as pas choisi d'être sage? Nena. Oui, mon mari. J'aimerais que tu partes chez Odowa ce matin. Je veux que tu me ramènes la femme de Nama. Ok, là, s'il te plaît, moi je ne pars pas. Ah! Le serpent s'est renversé. Quelle abomination! Nena, qui es-tu pour désobéir à mon ordre dans cette maison? Gars, s'il te plaît, je suis désolé de te décevoir. Je crois que le moment arrivé pour que je me fâche. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a encore la reine dans ce village. Je t'amènerai pour voir si tu peux bagarrer contre moi. Je vais t'incendier. Je vais te déchiqueter. Tu sentiras mon coup de poing. Mais qu'est-ce qui te met autant en colère pour que tu t'en prennes aussi violemment à moi? Pardon, laisse-toi tranquille. Laisse-la. Elle est libre. Laisse-la. Est-ce que c'est bien lorsqu'elle ne reste pas dans la maison de son mari? Pourquoi tu agis comme ça? Tu ne veux pas qu'elle donne naissance à notre petit-fils? Nena, de quoi me parles-tu? Je n'ai rien vomi, j'ai juste exprimé ma pensée. On a déjà perdu 4 fils et 2 filles. Et je t'ai dit que je ne suis plus à l'aise au sujet de ce qui peut arriver à Chukuka, notre fils. Tu as dit que son nom va le protéger, son nom va le défendre. Mais même comme ça, j'ai vraiment très très peur. Alors fais quelque chose pour ça, s'il te plaît. Rien. Je veux dire, rien ne t'arrivera. Ou alors voulais-tu le tuer? Non. Tu entends ce que tu dis? C'est moi. Tu veux dire que je suis une mauvaise mère? Que je souhaite tuer mon seul fils? Hein? Qu'est-ce que tu peux même me dire comme ça, non? C'est même quoi? Nena, tu n'auras jamais la paix dans cette maison. Jusqu'à ce que tu m'amènes cette fille. C'est quoi ça? Hey. C'est aussi facile que ça. Tu peux aller la chercher toi-même, non? Va la prendre. Va la chercher toi-même, non? Yeah. Ah, Obina. Ouais. Comment vas-tu? Gars, je suis là. Obina, je suis fâché contre toi. Hein? Ah. Depuis que Nama est mort, tu ne nous as plus visités. Pourquoi? Gales, la mort de Nama me fait toujours mal jusqu'à aujourd'hui. Cette affaire-là m'inquiète encore. Écoute, il y a un truc derrière tout ça. Comment? La dernière fois qu'il a vu marcher, la manière dont il se comportait, je l'ai suivi pour voir là, il partait. Il a été tué. Mais il était sous. Écoute, Chukuka. J'ai vu Nama lorsque je partais puiser de l'eau à la rivière. Il ne partait pas pour nager. C'est comme si on le forçait à aller le faire. Il a plutôt bu l'eau de la rivière. J'ai vu cela arriver.
C'est comme ça que mon meilleur ami Nama est mort. J'ai essayé d'aller le sauver, mais je n'ai pas pu. Obina, je pense que la personne qui a pris la vie de mon frère, c'est la même personne qui est derrière le meurtre de mes autres frères. Je crois ça. Chukuka, je suis gêné pour ta famille, mais ton cas me préoccupe plus. Écoute, tu es le seul survivant dans une famille de 7 personnes. Je pense que tu devrais quitter ce village. Même maintenant. Bref, je suis dans le prochain bateau qui va pour la grande ville. Dans les prochains mois. Alors... Alors, je te souhaite le meilleur. Merci, mon frère. Je te souhaite le meilleur. Fais attention à toi, ok. Papa, comment peux-tu être si méchant et si maniaque? Chukuka, baisse un ton. Veux-tu te chamailler avec ton père? Comment pourrais-je avoir un père si méchant, qui ne sait pas donner de l'amour, qui se conduit comme le mal en personne? Tu n'as pas pitié de ta famille, tu ne te soucies même de personne. Sache que si tu ne bénis le nom de Dieu, son feu te brûlera. Assez pour tes insultes. Lorsqu'un jeune homme essaye de coucher avec une vieille femme, la vieille femme transforme sa fragilité en intelligence. Je suis encore bien servi. Personne n'attaque le tigre et voilà encore ses ailes. Je vois. Un tigre dans quoi? Personne ne te teste. Mais tu as perdu tous tes fils et deux de tes filles. Chacun de tes enfants meurt à la naissance. Tu as tapé le tam-tam dont tu ne connaissais les conséquences. Ta famille aujourd'hui est devenue comme une jungle où les assassins marchent librement. Je suis maintenant un oasis du désastre que tu as donné en sacrifice par ces mêmes bourreaux. J'attends mourir. Tout ça parce que mon père m'a enterré comme tous mes frères. Tu ne vas pas mourir, mon amour. Je suis le plus petit, rejetant d'un palmier. Et je suis aussi la plus dure de toutes les noix de palme. Ça ira, mon amour. Tous les problèmes ont une date d'expiration. Toi, petite termite de la termitière, comment peux-tu parler sans respecter les vrais animaux? Je suis désolée. Je ne peux pas me retenir. Tu es pleine d'effronterie maintenant. Quitte devant moi. Elle reste ici et elle te dira la vérité. Que le tambour de la guerre soit battu et que mes ennemis s'enfuient à la sauvette. Le combat sera rude. Tant que cela arrive. Sache que tout ce que tu as fait, tu récolteras un salaire bientôt. Toi! Yamelo Mopang. Bilébidente, bilébidente, canne, quoi? Les Guimbonga. Ngouyate, mon Nikbevo. Je peux voir que tu n'as plus peur. Est-ce que ça va, mon amour? Non, ça ne va pas, chérie. Ça fait mal. Ah! Aïe! Ouh! Aïe! 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 Ouh! Aïe! Ah! Akalia! Akalia! Tu as vu ce que tu as causé? Est-ce que tu as vu ça? Si seulement tu m'avais écouté, il ne devait pas mourir. Léon Collé et Osé ne devaient pas mourir. Nena, ne me rappelle pas ce qui est déjà passé. Il y a une vérité dans ce que Chukuka a dit. Que ce n'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants. Je me sens très mal et honteuse. Qui que ce soit qui a la main sur la mort de ses enfants ou bien entendu où était ou on parlait de cette mort, ne s'en sortiront pas. Amen! Amen et amen! Ce n'est pas dit, ne dis pas amen. C'est le moment de faire quelque chose pour la vie de Chukuka et le fils de Nama. Parce que si tu refuses, moi, personnellement, je m'en occupe. Nena, tu te mets en conflit contre moi. Je ne suis pas en conflit avec toi, mais j'ai l'impression que tu ne veux rien faire. Actuellement, Nama et tous les autres sont morts. Tu veux que je baisse les bras? Non, je ne baisse pas les bras. Je ne prendrai plus aucun risque. Je peux seulement dire que tout est conclu. Comment non? Comment? Permets-moi de comprendre, non? Parce que tu es là comme si tout allait bien.
Mais il faut faire quelque chose. Fais quelque chose, non? Afin que ces membres et qu'on s'arrête dans notre famille. J'ai entendu ce que tu dis. Mais Chukwuka... Chukwuka ne t'a rien fait. Ce garçon ne t'a rien fait. Il te rappelle simplement tes erreurs. Et même tes responsabilités. Oh, maintenant tu le supportes. Il n'y a personne à blâmer, même pas Tizoba. Ok. Il y a beaucoup d'étoiles au ciel. Mais il n'y a qu'une seule qui nous donne la lumière. Attends. Si j'ai compris son proverbe, ce que tu voudrais faire, c'est juste. Parce que ses frères et sœurs ont accepté les décès sans aucune résistance. Chukwuka est le seul à t'avoir demandé. Demande. Akukalia, demande, non? Fais quelque chose. Comme ça, on aura la paix dans notre famille. Fais quelque chose. Ne reste pas là comme ça et attendre le pire. Pardonne-nous. Grand homme. Cette femme est audacieuse. Cette femme est en train de me mépriser. Moi, au Basiegwe, le monde à l'envers. À tout le monde dans la maison. Bonjour. Qu'est-ce que je vois là? Hey. Bienvenue. Hey. Bienvenue. Ah, ma fille. Hey. Bienvenue. Merci, ma soeur. Assieds-toi. Ma soeur. Hey. Je vois. Merci beaucoup de prendre soin de notre fille. Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? C'est mon devoir. Merci, ma soeur. Maman, je suis désolée d'être partie sans t'informer. Ma fille, tu n'as pas à m'expliquer. Ne m'explique pas, ma fille. J'espère que tu n'es pas venue pour me ramener. Non, hey, ce n'est pas pourquoi je suis là. Je suis venue te voir pour savoir comment tu vas. Et je vois que tu vas bien. Ma soeur. Ma soeur. Quand je suis revenue ce jour-là, j'ai vu ma fille. Je n'étais pas contente. Hey. Avec tout ce qu'elle avait comme problème. Prends l'orange ici. C'est gentil, merci. Merci. Non, maman est apparue. Et il m'a demandé de ne pas la laisser partir. Il t'est apparu. Mon fils. Je savais que quelque chose se passait. Vérité. C'est pourquoi j'ai voulu qu'elle reste ici jusqu'à ce qu'elle accouche. Et elle peut y rester autant qu'elle voudra. Ça ne pose aucun problème. S'il te plaît, ma soeur. Hi, ma soeur. Notre tradition. Yeah. Au moins, elle aura amené son bébé aux membres de la famille de son mari. Qui est nouvelle mère? Laisse-la rester ici. L'enfant pourra rester ici et grandir tout le temps qu'il voudra. Je n'ai aucun problème. Et si elle veut, elle se remarie. Je souhaite seulement que vous preniez soin de mon petit-fils. Pardon. Oh? J'ai compris. Ogom, je ne te comprends pas. Tu ne peux pas comprendre, ma soeur. Tu m'embarrasses vraiment. C'est moi-même qui ai choisi comme ça. C'est ce qu'il faut faire, ma soeur. Le poisson ne vit pas hors de l'eau. Le poisson ne peut pas quitter son vase. Il ne fuit pas l'eau. Mieux reste ici. Oh, tu resteras. Tu m'entends, ma fille? Pardon. Voici les oranges. Avec quoi? Au coup, cet orange. Où c'est mieux? Pardon, laisse-moi t'apporter le couteau. Tu vas couper. Je t'apporte ça. Je suis contente d'être ici. Ouais. On peut prendre soin de notre bébé. Mais quand est-ce que je ferai quelque chose ici? La situation est de plus en plus critique. Mais cela doit être fait pour sauver ma situation. Je sais que ce sera très difficile. Il n'y a pas de remède. Pas de remède, je dis. Chuzoa. Oui? Le monsieur qui est revenu de la Belgique est venu pour demander ta main en mariage.
Il s'est trompé de chemin. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas au bon endroit. Quel mauvais endroit? Ah ah! Écoute, Tizioma, tu feras mieux de faire le bon choix. Ah. Maintenant que toi, là, tu es gradué, tu feras mieux de te marier avant d'aller au service des jeunes. Ah! Écoute, Tizioma, maman a raison. Pourquoi est-ce qu'elle a raison? Tu es le roi Lion et maman Napoléon. Ah? Tout ce qu'elle dit est donc correct. Cette attitude que tu as commencé à m'agacer. Le fils à maman qui t'aide. Pourquoi tu parles-tu comme ça? Tu es malade? Tu es folle? Hein, Tizioma? Tu dois faire très attention, sinon hein, je vais te... Hein? Hein quoi? Sinon quoi? Tu vas me battre? Viens donc me battre! Et qu'est-ce que vous faites de Chukuka? Tu ne l'épouseras pas. Je vais l'épouser, maman. Je suis en mission dans cette famille. Et personne ne m'arrêtera. M'arrêter sera comme créer un accident dans cette destinée. Dans ce cas, vos destinées sont déjà déroutées. Tu vois, Tizioma. Tizioma, tu es en train de sortir? Regarde, Tizioma. Non, maman, quand c'est trop scellé, ça se passe pas comme ça. Attends-moi là-bas tout de suite. Maman, ça ne se passe pas comme ça. Viens, mon fils. Laisse-la. Je ne sais pas pourquoi tu continues à avoir cette peur. Je ne sais pas. Mais si tu peux, s'il te plaît, mon fils, fais-le pour moi, pour me rendre heureuse. Maman, ce que tu dis là, c'est bon. Mais ça ne peut pas se faire maintenant. Pourquoi ça ne peut pas être maintenant, mon fils? Les icônes sont en train de se marier. Hein? Tu peux le faire maintenant. Ce n'est pas mauvais. Hein? Fais-le pour me rendre heureuse, mon fils. Maman, je ne suis pas prêt. Oh, tu n'es pas prêt. Ah! Je vais tout faire. Dans la mesure du possible, pour que tu sois prêt. De toutes les façons, c'est mon devoir, mon fils. Et je m'engage à endosser toutes les responsabilités de ce mariage. Parce que je veux que tu fasses de beaux enfants. Très vite, tôt. Même si il faut que tu commences aujourd'hui. Tu me proviens de me marier, maman. Donc tu veux que je me marie, maman, parce que tu as peur. Parce que je vais mourir comme mes feux frères. Ce n'est pas déjà assez. Maman, je suis désolé, mais je ne me marierai pas. Si papa et toi, vous ne pouvez pas trouver des solutions pour cette calamité, que cela arrive. S'il te plaît, mon fils. Laisse-moi mourir. Non, s'il te plaît, tu ne veux pas mourir, mon fils. S'il te plaît, regarde ta vieille mère. Aie pitié. Aie mon fils. Comme quand je dois me marier. S'il te plaît, pour te marier. Fais-moi des petits fils. S'il te plaît. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon père, pardon, ne me pose pas une telle question. Parce que je sais que tu connais la réponse. Non, je ne connais pas. Je t'ai dit que ta soeur était possédée. Maintenant, elle est contre moi. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Qu'elle a une mission dans la famille de Obabidia. Ce n'est pas la folie. Des vraies bêtises, elles font sonner des cloches. Dis-moi, quel genre de mission elle peut avoir dans la famille des gens qui meurent tous les jours? Ça, c'est une bêtise. Hey, cette fille, hein? Maman, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que Chizoba est devenue malade. Elle me parle comme elle veut. Elle me répond comme elle ne l'a jamais fait. Je vais mettre fin à tout ça. C'est pourquoi je t'ai arrêté. Je t'aurais supporté si ce n'était pas le fait qu'elle est aussi mon enfant. Et tu l'aurais supporté. Maintenant, écoute-moi, Tabo. Le jour que tu me taperas dessus, je vais te tuer. Tu vas la fermer, idiote. Calme-toi. Je vais battre le tambour secret et tu seras sourd. Hey! Et ça, c'est le dernier avertissement. As-tu entendu ça? Hey! D'abord. Maman, ne t'inquiète pas.
Ici. Je suis venu voir Ti. Tu cherchais qui? Sors de chez moi. Maman, moi? Je t'ai demandé de ne plus revenir chez moi. Sors d'ici. Tu veux que ma fille soit veuve avant le temps? Hé! Hey. Maman, c'est pas juste. Sors! Je tiens mon couteau. Fous le camp. Dégage ici! Malchance! Tu veux rendre ma fille veuve avant le temps. Tu ne réussiras pas. Dégage. Ne reviens plus chez moi. Pourquoi ce fou là? Va-t'en. Ti. Oui. J'ai réfléchi. Réfléchi à propos de quoi? Tu sais, nous sommes vus à l'université. On ne savait même pas qu'on était de la même ville. Ça, c'est le destin. Chukuka, je sais où tu vas en venir. Et... je sais que ta revue de connaissances fonctionne. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce que tu as à me dire, je vais partir. Tisoba. Tu sais, depuis un certain temps, tu me fais peur. N'aie pas peur. À un moment, tu comprendras. Comme tu vois, il y a cette chose. Il y a ce mystère sur toi que je ne comprends pas. Il y a quelque chose... je suis réellement devenue spirituelle. Je vois des choses. Et je connais beaucoup de choses. N'aie pas peur. S'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que je t'aime au point où je pourrais donner ma vie pour toi. Ok? Que sais-tu à propos de ma famille? Tu m'entends? Je t'entends bien. Je n'ai plus rien à te dire de... ce... j'ai un lourd fardeau sur la tête. Chercher ta femme. Et je ne sais pas ce que tu penses de cela. Hein? Prends ta quoi? Femme. Cette femme a recommencé. C'est très précipité pour toi de parler du malade de Chuka. Il avance avec son école. Laisse ce garçon prendre son temps. Hein? Je ne vois pas pourquoi nous devons se marier maintenant. Papa? Ma fille, dis ma. Vous qui êtes main dans la main là, que faites-vous ici? Papa, tu as vêtu ce jour maintenant pourquoi? Cette fille m'a sauvé la vie, puis je vais l'épouser. Elle t'a sauvé, hein? Cette fille veut te détruire. Je te déconseille de l'épouser. Il y a quelque chose qui se mêle de ses environs. La calamité dans cette famille. Je ne veux pas ajouter les injures, les insultes. Agokaya, là je ne suis pas d'accord avec toi. Disons, Massi, es-tu une bonne fille dans ce village? Je pense que ce sera une bonne femme pour Chuka. Bonne. Que ce sera une bonne fille pour nous tous. Bonne quoi? Femme. Bonne femme. Ça, ce sera sur mon cadavre. Chukuka, écoute. Tes premiers services sont finis. Et un travail, et stabilise-toi. Là, tu pourras parler de mariage. C'est notre destinée de devenir mari et femme. Qu'à Dieu ne plaise. Tu veux épouser une fille que je te déconseille? Rien. Pas dans ma famille. Toi, même si on me dit quoi, tu as des esprits destructeurs. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Tu m'appelais esprit de destruction? C'est ce que tu es. Laisse-moi te baisse dire. Baisse ton bras. Tu m'as été révélé. Le chantage que tu fais à mon amour ne m'empêchera pas de faire ce que je suis venu faire. Je suis prête pour toi. Je suis prêt pour toi. Je suis encore moi-même. Maintenant, sors d'ici. Papa, sors d'ici. Comme ça. Toi, je crois à mon père. Non. Ok. Le temps me dira. Je venais comme ça à ta chambre. Je repensais à ce que ton père a dit. Qu'est-ce que mon père a dit? Ce qu'il a dit peut être vrai. Ok, maman, je ne sais pas. Mais Tim Zoba m'a dit qu'elle est devenue plus spirituelle. Elle a dit ça? Oui. Oh, elle t'a dit qu'elle est devenue spirituelle. Et tu l'as quand même présentée à ton père. Maman, il y a quelque chose à propos de papa que je ne comprends pas. Comment papa sait que Tizoba a un esprit de Mami Wata? Ça, c'est pas vrai. Je suis du côté de Tizoba. Je suis du côté de Tizoba. Même si elle a pointé le doigt à papa, papa pouvait seulement baisser son doigt sans la battre. Au point d'accrocher sa canne sur son cou. Ça, c'est pas bon, maman. Réfléchis par rapport à ça. Du coup, quand? Il y a quelque chose qui ne nous dise pas. Parlant de cette fille, c'est un démon. Mais ce que maman, je maman, crois, maman, c'est un démon. Maman, elle n'est pas un démon. Elle n'est pas un démon. Maman, Tizoma m'a dit qu'elle va me dire quelque chose par rapport à notre famille bientôt. Tu crois qu'à mon fils, tu dois arrêter toute relation avec cette fille. Arrête ce mariage. Est-ce que tu m'entends? Arrête ça. Chouka, écoute, ce qui doit être ne sera mon fils. Et ce qui ne sera pas, ne sera pas. Maman, c'est très proche et cela va se faire. Vraiment? Je ne laisserai jamais cette fille. Vraiment? Je ne la laisserai jamais. Peu importe ce qu'elle est, je ne le ferai pas. Chukuka, cette fille doit être prête pour déclencher notre guerre au Nigeria. Parce que si elle espère que je vais rester assise, croiser les bras, la regarder, détruire mon seul fils survivant, elle se trompe. C'est un mensonge, un gros mensonge. Maman, wa fle mekawayo. Maman, si tu fais quelque chose qui irrite Tizoba, elle va se quereller avec toi et ce sera pas bon. Du coup, on ne veut pas se quereller. Maman, vous allez vous quereller. Tu veux que je fasse la bouche et je regarde sa main. Comment je ferai pour atteindre ma destinée? Ce tambour m'amènera des ennuis. Ogulouma, tu m'as inspiré. Le feu que tu as déposé entre mes mains ne pourra jamais être éteint.
Maintenant, je suis prête. Le cruche a un long cou. Il voit toutes choses, mais ne se mêle que de ses affaires. Mais cette fois-ci, l'Autriche va s'impliquer. Parce que l'amour est mêlé. Souviens-toi, le prix de l'amour est coûteux. Et tu sais que tu ne peux pas m'arrêter. Je vais te stopper. Je vais payer le prix de l'amour s'il le faut. Combattre comme je dois est une double insulte pour moi. Mais calme-toi un peu. Je sais ce que tu as en ta possession. Et je suis venu te demander de faire attention. Si tu ne veux pas être marché dessus, dégage. Ou alors tu auras chaud. Je suis le porc épique. Tu ne marcheras pas sur moi sans être blessé. Nous le verrons. Lorsque la tempête fait son mouvement, le vent prend une autre direction. Le vent ne prendra pas une nouvelle direction. Les quatre coins du vent, est, ouest, nord et sud, sont la demeure du vent. Le vent de la destinée va sûrement t'handicaper. Je peux voir que tu t'es préparé. Alors retire-toi et accepte ta défaite. Oh, tu seras un mort vivant. Aucune âme ne peut m'arrêter. Même celle qui t'a envoyé ne peut pas m'arrêter. Tu es la bienvenue. Mais c'est ma chère. Comment tu vas, ma fille? Je vais bien, maman. Je peux le voir. Ta mère prend vraiment bien soin de toi. Elle fait juste le sommeil. Il n'y a aucun fruit de ce village qu'elle ne me donne pas. Vraiment? Oui, maman. Ma fille. Je peux le voir, non? Regarde comment tu es toute belle. Restons ici. Assieds-nous quelque part. Okay, donne-moi ta main. Ma fille, où est ta mère? Ah oui, maman. Elle est allée au marché pour acheter du poisson. Oh, hey, ma sœur là, ta mère est une bonne femme. Regarde comment elle prend soin de toi. Quand j'ai demandé que tu restes ici, je savais. Maman, tu me manques. Tu me manques aussi, c'est vrai, ma fille. Hein? Maman. Écoute, j'ai apporté les vêtements de bébé pour toi. Je voudrais que tu l'ouvres. Tu vas aimer ce que tu vas voir. Je sais. Ouvre ce sac. À l'intérieur de ce sac, il y a des vêtements prestigieux de bébé pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Tu sais que je suis ta belle-mère. Maman, ça ne me surprend pas. Je sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Je sais ce que tu aimes. Maman, tu sais quoi? Mon Dieu te bénira. Amen, ma fille. Mon Dieu te bénira. Amen. Pareil pour toi. Viens. Aïe. Mon Dieu. Maman. Rien ne va t'arriver. Amen. Il va te protéger. Amen. Il veille sur toi. Amen. Cet enfant sera béni. Ton enfant naîtra. Amen, maman. Je dois partir maintenant avant de t'ennuyer avec mes cousines. Salut, hein? Chikuka et Chizoba. Dis-leur que je m'impatiente de les voir mariés. S'il te plaît, ma fille. Pardon. Ne prononce plus ce nom. Maman. Ne mentionne plus ce nom de Tizo. Non, je ne veux plus. Ne maman, prononce qui plus ce nom. Cette fille. Qu'est-ce que Tizoba a fait? Quand Dieu ne plaise, maman, c'est pas vrai. Ne dis pas ça. Elle vient du royaume des eaux. De l'intérieur du royaume. Maman. Ne prononce plus son nom. Attends. Maman, ne sois pas déçue, non. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui t'a dit tout ça. Je sais. Ne crois pas, papa. Ne le crois pas. C'est pas vrai. Tu as dit. Maman. Ne m'entraîne pas dans la confusion. Je ne sais pas pourquoi je dois te croire. On croit mon mari au Kala. Tout ce que Tizoba a dit, je ne sais pas qui croit. Maman, crois-moi. Ok, je vais jurer sur cette grosseur. Non, maman. Ne m'arrête pas. Si Tizoba a les mauvais esprits, laisse-moi. Si elle a les mauvais esprits, que cette grosseur se détruise. Non, ma fille, s'il te plaît. Hein? Si c'est comme ça, pardon. Tizoba n'a pas l'esprit des eaux. Pardon. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre. C'est ce que je veux pour vous.
Pardon, je pars. S'il te plaît, je dois partir. Souris d'abord pour moi. Ma fille, ma beauté. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Tu sais, je dois partir. Tu connais ton père, ton beau-père. C'est sûr qu'il est là-bas. Je le ferai. Je viens de m'attendre. Prends soin de serre. Hein? Ne t'inquiète pas, maman. Il était venu juste poser des questions. Chizoma, tu ne peux pas dire la vérité. Et tu le sais. Parce que l'air que je vis affiché sur le visage de cet homme est plus que ce que tu es en train de me dire maintenant. Qu'est-ce que tu viens de faire en ces moments? Grand frère, je n'ai absolument rien fait. Et n'interfère pas dans des histoires qui ne te... Ceci me concerne. Parce que cette parcelle m'appartient. Appartient-elle toujours à notre fait père? Je suis ton frère aîné. Et donc tu devrais me contrôler. C'est pas vrai. Tu essaies de répliquer. Je suis ton frère aîné. Et je t'ordonne... De juste 300. Es-tu stupide? Es-tu folle? Es-tu folle? N'attire pas ma colère. Mais à quoi est-ce que j'assiste vraiment? Reviens ici, reviens! Nam! Chiruka! 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 Ok. Chiruka! Ok, le gars. Hey! Nam! Naoutso monaye! Yepena mbutu! Akufakala! Obina! Naouti pena komonaye kaka awa! Obina! Hein? Yaka! Namoni nama awa! Da? Obina! Est-ce que ça m'a l'homme? Hey! Hey! Ozo mon ami limo! Très bien! Écoute! Je venais te voir. Et en marchant de la parcelle, et je le vis assis ici, ici. Je le bien vis assis ici. Ici, ici, ici. Hey, Touga. Ça, c'est vraiment étrange. Ah, il sera est étrange. Touga, écoute. Je suis sûr qu'il est venu te dire quelque chose. Il était assis ici pour t'attendre sortir d'ailleurs. Soit, même si il avait une mission, j'ai perturbé sa mission. Il était assis ici. Remercions Dieu pour ça. Parce que je n'ai pas envie de voir des cadavres. Hey, Chukukao, je le dis, je ne l'ai jamais vraiment vu depuis qu'il est mort. C'est pour te sauver, Chukuka. Chukuka, avais-tu vu John Gobi depuis qu'il retournait à la maison de son père? Je devrais aller avec Chizoba, mais comme les choses ont tourné mal, je ne pouvais plus partir. C'est ça le problème. Je suis sûr que c'est ce qu'il est venu te dire. Obina, ferme-la et parle-moi des choses plus raisonnables. Donc je veux aussi devenir cadavre, non? Dis-moi ce que tu as à me dire. Loba Oizeso. Quitte la, raconte-moi la réalité. Arrête de me dire. Maman, Chizoba est en train de semer du désordre dans cette maison. Et je vais m'en charger d'elle, je verrai ce qu'elle fera. Dagbo, des fois je me demande vraiment. Gaï Benzende na bote ki mwana oyo. Comment? Hein? Maman, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose et rapidement avant que cela n'ébarde. Gaï Kaka, je dois faire quelque chose. Oui. J'avais commencé à faire quelque chose depuis que vous étiez enfant. Tu t'attends à ce que je fasse quelque chose maintenant? Non. Je suis la seule personne qui se soucie et prenait soin de toutes votre famille depuis la mort de votre père au Congo. Dis merci, tu es devenu un homme. Et tu as mené un boulot. Alors mon fils, aide-moi s'il te plaît. N'est-ce pas que c'est ta sœur? Maman. Je crois qu'on a besoin de voir un homme fort de Dieu. Laissons-nous découvrir la racine de notre problème. On rigole, ma pasteur. Oui. Où sont les prophètes, Tobanganga? Et qu'on s'alamate. Ils vont aggraver la situation. Mais ils vont l'ajouter des démons sur des démons qu'elle possède. Hein? Ne sais-tu pas que tous ces charlatans qui passaient dans la rue, maintenant ils se font passer pour des pasteurs et prophètes?
parce que leur business ne paye plus. Hein? Moi, gars. Tu as raison. Oh. Très bien. Qu'allons-nous faire alors? Je pense que je dois aller voir le père Francis. Laisse-moi voir comment il peut m'aider. Je crois que ça va marcher. Bouete, nako bete penza 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 penza. Tikino pena ba demo baka tay, bako kufa penza. Yesoro penza. Ça va aller mon garçon. Voir les fantômes de Nama me laisse vraiment stupéfait. Ça me rappelle de ce que j'avais presque oublié. Deux jours après avoir qu'il m'a promis l'argent pour regagner mon business, il est mort soudainement. Oh Bizuko, je suis pas d'accord avec ce comportement. C'est quoi ton problème? Je sais que tu traverses tous ces jours de moments très difficiles, mais c'est pas la fin du monde. Dis-moi, je suis ton meilleur ami. L'homme recommandé. Et que dura si tu réalises que j'ai tout accaparé? Écoute, moi je me contente de ce que j'ai. Regarde, je suis ton meilleur ami. Et je ne vais pas te faire du mal. Obi, n'en repasse au moins d'âme. Avant d'yom, non, et tout le monde attend maman au lit, ça va être moi, peu soupe moro, que l'on va canard. Vous comprenez maman des ats? Avant d'yom, tu bosses à maman, on s'en a mon cher, ok. Arrête, et si je mourais? Qu'est-ce que tu allais dire si je mourais déjà? Oublie mon cher. Ozole, l'anza dans la bombe, moi. Dans ton jali! Qui avait mis sa main pour bien vouloir la mort de Nama? Qui est mort mystérieusement? Qui est mort mystérieusement? Oh, qui est-ce? Entrez. Maman, bonjour. Que veux-tu? Maman, je cherche Chukuka. Chukuka, oya ifite doro. To, Chukuka oya mwana ngai. Peu importe, parce que ce que Chukuka oya ngai, ndozo luka. Laisse-moi te dire qu'il dort. Et je ne veux aucun esprit de ma mère venir les déranger. Laisse-moi te donner un conseil. Prête bien attention. Laisse mon fils tranquille. Laisse-le tranquille. Maman, mais c'est vraiment vous qui me dites ça. Et ça, qu'on a moi aussi. Laisse-moi te dire, je ne vais plus voir tes sales pattes dans ma maison. Parce que si jamais je voyais dans cette maison tes deux pattes, seul Dieu sait ce que je vais te faire. Maman, donc vous avez cru en votre mari? Non, c'est à toi que je dois croire. N'est-ce pas que c'est toi, Izoba? L'esprit de ma mère. La grande Ezawai. Hein? Il fallait que ce soit toi que je croie. Mais laisse-moi te dire. Je ne te permettrai pas de détruire mon unique enfant survivant. Je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu attends encore? Dégage. Allez-le! Dégage! Dégage! Sors de ma maison! Je cherche Chikukwa. Ça ne va pas marcher. It's not a battle for the gun. It's not a battle for the strong. Qu'est-ce qui ne marche pas avec toi? Rien du tout. Mais tu pleures. Ma jambe s'est cognée à une pierre. Regarde, cette pierre ne choisit pas un autre endroit que ta jambe. Je ne sais pas si ça vient d'où. S'il te plaît, arrête de pleurer. C'est ici, Ça ira mieux. Ne te plains pas, en fait. Attends que je te trouve une moto pour te raccompagner. Non, j'ai arrêté de prendre la moto. Je ne prends plus la moto. Merci beaucoup. Es-tu sûr? S'il te plaît, prends soin de toi. Chikuka est très chanceuse. Je prie vraiment qu'elle puisse aimer cet homme. Bien, cette fille va la montrer comment une femme prend vraiment soin d'un homme. Chikuka, tu es chanceux. Tu es chanceux. Je
Je comprends que tu es le frère de Chizuma. Oui. Il y a quelque chose que ta sœur a, qui la dérange bien sûr, qui la pousse à se comporter comme si elle était possédée. Je crois qu'elle n'est pas dans le parage. Non, non, elle était sortie. Si tu peux trouver un tambour musical, peut-être que c'est dans sa chambre. Prends-les et ramène-le-moi. Tu vas sauver ta famille. Tu tourmentes beaucoup des esprits. Attendez une minute, messieurs. Tu veux vraiment me dire que tu es au courant des problèmes spirituels de ma sœur? Oui. Mais son cas est l'un des plus compliqués. Et une fois il l'instrument, ramène-le-moi. Elle sera de nouveau libre. Oh, messieurs, que Dieu vous bénisse. Que mon tout-puissant Dieu te bénisse. Je ne peux que consentir, parce que Chizuba est devenu une peine et l'angoisse dans cette famille. Et je pouvais entendre que vous êtes le père de Chikoka. Oui, oui. Mais ta sœur avait beaucoup bouleversé mon fils. Le pouvoir qu'elle obtient de ce tambour. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais vous amener cet tam-tam, ok? Ok. Parce que je crois que la présence de ce tambour nous a causé énormément de problèmes dans cette famille. Donne-moi un moment, je vais l'emmener pour toi, ok? Ok. Fais-le. Attendez. Est-ce que ça t'a fait mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous, la vipère! J'ai essayé de... Qu'est-ce que vous venez faire encore dans cette maison? Ma main se désintègre. As-tu touché le tambour secret? Oui, j'essaie de le garder, mais... Et vous, l'ogre? J'ai toujours su que vous étiez un homme démoniaque. Mais j'ignorais à quel point vous étiez aussi obstiné. Vous avez voulu tuer mon frère. Maintenant, quittez cet endroit sur le champ. Avant qu'on ne vienne récupérer votre cadavre. Ah, mon tambour. Quand le Hada Naboso plus est différent, l'humain et l'animal chien. Le chien tient à le renverser. Et quand il se fatigue, il trouve son chemin et fouille les ténèbres. Ça va arriver très bientôt. Très bientôt. Que ce qui t'est arrivé te serve de leçon. Chizuma, qui est la personne que j'ai vue dans ta chambre en panne noire? Elle, c'était Ugloma. C'est la propriétaire du tambour que tu as voulu donner à ce démon. Aïe! Bien, tu savais que je cherchais à voler les tam-tams pour lui donner? Oui, je le sais. C'est vrai! C'est vrai! Alors maintenant, c'est évident. Tu es vraiment possédé! Tu es possédé! J'y crois pas. Tu viendras me supplier en rompant. Mon amour, je sais tu te déranges. Dans 7 jours, tu seras libéré. Je suis venu te souhaiter bonne chance et te dire au revoir. On se reverra encore, mais dans l'au-delà. Prends soin de mon bébé. Prends bien soin de lui. Donne-lui l'amour comme tu me l'avais donné. C'est mon dernier testament. Je t'aimerai toujours.
moi aussi je t'aimerai toujours. Tes souvenirs. Comment Hey! Hey! Ah, hey! Ah, comment? Eh, wow, wow! Hey! Hey! Aïe! Aïe! Eh, wow! Ah, hey, maman, maman, elle est quelle ingaïe, elle s'appelle sa moto, aïe, 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 le bon colin, le bon colin, aïe, Maman, ça fait très mal. Et ça aura pipi le soir. Je vais mourir comme du plus beau. C'est quel genre de problème ça? Comment est-ce que j'aurai le courage d'aller vendre dans mon shop en paix? Maman, on doit aller à l'hôpital, on doit aller à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, je suis fatigué. Et ça va comme hôpital, tu sais? Je vais mourir. Hein? C'est spirituel. Ok, ok, donne-moi. Donne-moi l'huile d'olive. Donne-moi l'huile d'olive. Et aussi de l'eau. S'il te plaît, je suis fini. Tout ça, qu'on a pas goûté. Laisse-moi voir si j'irai mieux. Oh. Si j'irai mieux. Oh. C'était fini, mon fils. Hé, hé, tété, Mon Dieu, c'est encore Je ne veux pas dormir.
Je ne veux pas dormir cette nuit, je ne veux pas dormir. Soyez-moi, Rebecca. Je pouvais rester dans ce village, faire ma vie. Tout ira bien. Si jamais ta soeur n'avait pas provoqué cet homme, hein, tout ceci ne serait pas arrivé. Maman, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est parce que c'était très bon de ma part d'exiger à cet homme de jeter le sort sur moi. Et le fait d'accepter d'aller voler cet tap-tap. Hey, la baby, oh, eh bien, le conseil, c'est... Ça va, mon fils. Oh, hey, 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 hey. Tiens, mon fatigue, t'as besoin de saleté. Calme-toi, mon fils. Ça va aller. Bakokom, 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 mamba. Bakokom, 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 mamba. Bakokom, 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 mamba. Chokuka, viens. Et ne recule jamais. Tonton est venu. Et l'air a sonné. Viens, Oba, c'est moi, a besoin de toi. Bakokom, 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 mambo. Bakokom, 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 mambo. Bakokom, 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 mambo. Bakokom, 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 mamba. 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 Dansons et les sons, et dansons et la vie. Je ne peux pas être une pierre d'achoppement de mes 2000 années sur Terre. Viens, Chikuoka, viens. Aucun sacrifice n'est pas écouter la musique de la mort et refuser danser. La mouche suit le cadavre dans la tombe. Chikuoka, je te commande. Viens. Bakokom, 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 mamba. Je ne peux pas arrêter ma destinée. Ta dire en une entrave. Le grand roi et les mambos se tournent contre toi. Tu utilises mon sang pour le soutenir. Ton fils, Jojo, pourrait être un albatros. Tes ennemis vont trahir.
Dans le jour, le plus sommeil, tu seras mort vivant. S'il vous plaît, aie miséricorde de moi. S'il te plaît, aie pitié de ton servant. S'il te plaît. Je t'avais prévenu. Lorsque tu as élevé ton jusqu'à 10 000 ans. Au bas, tu t'avais prévenu. Pas de miséricorde pour toi. Merci beaucoup, tu l'as fait. En fait, quand tu bats le tam-tam, la douleur a disparu. Et maintenant, je peux encore retrouver ma force. Je t'avais dit que tu ramperais pour me supplier. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ozande Konango Bienti, s'il te plaît, Limbisangai. S'il te plaît. Je suis désolée, mais je ne peux plus encore battre le tam-tam. Tu seras aguerri qu'au jour où ma mission sera accomplie. La peste est revenue. Et... Aïe! Ça fait mal! Cette heure de douleur! T'as bon? Oui! J'ai pitié de toi. Mais je ne peux encore rien faire. Hey, mon Dieu! Il va falloir que tu sois endurant. Hey! Hey! Mon fils, ne traîne pas, ok? Tu sais que je m'ennuie quand je suis seule à la maison, hein? Ah ouh! Y a pas de problème, tu peux aller le voir. Tiens, enfin, tu es là, je peux comment te voir. Comment tu es venu comme ça? Maman, bonjour. Il y a rien de bon, dégage et laisse mon fils tranquille. Maman! Tu es une méchante maman. Femme! Tu es vraiment une peste! Combien maman. De fois je t'ai averti? N'est-ce pas que je t'avais dit que je ne voulais plus voir tes sales pattes dans cette parcelle? Maman, il y en a assez de vos attaques et de vos embêtements. Osolo Banangaï. Oui. Osolo Banangaï. Tu n'as pas ça, mon bébé. Si ce n'était pas grâce à moi, Chikuka serait déjà mort la nuit dernière. Chikuka? Chikuka, as-tu expérimenté quelque chose d'étrange la nuit dernière? Mon fils! C'est vrai ce qu'elle dit? Maman, c'est vrai ou... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, attends. Quelque chose m'est arrivé la nuit dernière. Quoi? Oui, je m'étais vu à l'extérieur. Je n'avais même pas compris ce qui m'arrivait. Chikuka, j'étais dans une bataille d'esprit contre ton père l'année dernière. Il voulait te prendre comme il a pris les autres. Oh, maman, hey, ça ne peut jamais se faire. Il est tel une chienne qui dévore ses chiots. Pas mon mari, pas Koukaria. Et il est tel une plante qui empoisonne ses propres feuilles. Qui est cette plante? Et qui est l'auteur? Votre mari. Mon mari, tu mens. C'est pas vrai. Il a voulu te dévorer. Et en ce moment même, il a échoué. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il devrait être dans sa chambre. Non. Il n'est pas dans sa chambre à cause de ce qui... Je le savais. Je le savais. Hé, Akukaria. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais ça veut dire quoi ça? Chizoba, qu'est-ce que je t'avais fait? Chikuka, je vais ton sang. Et maman, n'a le bon, n'a donne-moi le sang. Oh mon Dieu! Je vais vivre 2000 années sur terre. Pas tant que moi, je respire. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est bien vous qui disiez que j'étais un démon? Hey. Vous disiez que la mouche suivrait le cadavre. Eh bien, la mouche a vraiment suivi le cadavre. Sauf que le cadavre, c'est vous. Les rôles sont inversés. Comme c'est marrant. Le chasseur s'est fait piéger par sa proie. Akukaria! Akukaria! Donc c'est toi qui as tué tous mes enfants. Laisse Chukuka en vie pour moi. Il est le seul qui me reste. Les enfants que tu m'avais donnés.
Tu les as repris tous un par un. Tu n'es pas laissé qu'un. Et maintenant, tu vas comprendre les seuls qui m'étaient restés. Ah, tu es vraiment méchant. Papa, j'ai plus besoin de ça. Papa, pourquoi? Papa, pourquoi? Ferme-la, Chikuka. Donne-moi ton sang. Du sang. Et qu'on s'en va. Vous devez mourir. Je ne vais pas mourir. Je vivrai pendant 2000 ans. Un homme cruel. Personne ne peut me tuer. Tu ne mérites pas de vivre. Je ne peux mourir. Il faut vraiment couvrir. Vous êtes un bébé. Je suis un homme bon. Tu ne mérites rien d'autre que la mort. Rien ne peut me tuer. Je dois. Je vais vivre pendant 2000 ans. Voyons, ah, là-haut. Je suis indestructible. Je suis au-dessus de la destruction humaine. Voyons, mon là-haut. N'ayez pas que tu ne pas de canard des mots. T'as l'ouka canard et bao. Soki ne n'est pas la canard boy. Soka n'est pas la caillou. Soka n'est pas tout ça la canard boy. Il faut que tu ne pas la canard. Je ne veux pas mourir. Ma vie. Papa, c'est pas juste. Ça m'est la gueule. Chokoka. Papa. Je vais ton sang. Vous attendez, vous allez voir. Maman, allons-y. Chokoka. Chokoka. Allez, va, mon garçon. Va au diable. Ton sang. Chokoka. Je dois vivre pendant 2000 ans. Et Oi Love Mambo va se désintégrer. Je vais du sang. Et je vais du sang. J'aurais pu sauver une âme. S'il n'était pas au courant pour moi et le Tam Tam secret. Hey! Il savait que je n'étais pas proche du Tam Tam. Et il a pris une âme. J'ai fait du mieux que je pouvais pour le sauver. Hey! Rien! Tu as exterminé mes enfants! Moi qui pensais que c'était la faute de ma soeur! Après la mort de Ugudid, Ogunoma m'a donné Tam Tam secret. Ogunoma. Je suis venu te voir pour que toi tu puisses sauver la maison de mon père avant qu'Obantiebe ne la transforme en désert. Il a tué ses 5 enfants. Si je dois compter l'enfant que porte la femme de Kulidi, il n'en reste que. Ce que vous venez de
suis vraiment désolée. Je ne connaissais pas la vérité. Pardonne-moi. J'ai poursuivi ma vie. Chikuka, il cherchera sûrement à tout prix à prendre sa revanche. La bataille n'est pas encore finie. Ah. Mais je serai là pour ta famille. Oh, merci. S'il te plaît, ne pars pas. Reste vivre avec nous ici. Je peur. Ne t'inquiète pas. Nos sages disent qu'il est facile de combattre son ennemi de l'intérieur. Mais dans ce cas précis, il vaut mieux combattre son ennemi de l'extérieur. Parce que mon arme est très efficace. Mon frère Tagbo a failli presque en mourir. Ton père l'a trompé en lui disant d'aller prendre le tam-tam pour lui. Hein? Ce n'est donc pas non plus facile pour moi. Oh, merci. S'il te plaît, reste. S'il te plaît. Reste avec nous, je t'en supplie. Reste avec nous. Oh, elles sont de retour. Les voilà. Voici mon colo. Enfin, Chabi. Attends. Chabi. Oh. Attends. Oh. Oh. Merci. Soyez les bienvenus. Ah, vous avez beaucoup changé. Oh, mais vous aussi, vous avez bonne mine. Oui, vous avez Je suis vraiment heureux de vous voir prendre soin de la femme de mon frère et mon neveu à l'intérieur. Je ne pouvais que faire ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Ce serait un garçon, ouais. Ah, j'ai un instinct très développé, non? De toute façon, je suis venu ici pour vous demander pardon parce que je ne viens pas souvent vous rendre visite. Où est-ce qu'on a raconté la bande qu'on a été? Azana Bongo de société. Ah, et comment va Patrick? Ah, oh voilà. Il est là-bas, non? Il exerce. Vous savez, non, son autorité. Je vois. Il veut l'homme fort de la parcelle. Nos adorables invités, qu'est-ce que vous allez prendre? Maman, tout ce qui peut être mangé et bu. Nous allons manger ce que vous nous proposerez. C'est pas mauvais de demander. Je vous apporte quelque chose. Madame. Ah, Chabi. On nous a dit que vous étiez partie à la consultation prénatale. C'est bien cela? Oui, ma chère. Et même à l'hôpital, mon docteur a pris tous les détails de mon état. Et ça semble aller. Ah, ça c'est génial. Je suis fatiguée. Eh wow. Eh oui. Eh wow. Tabo. Eh. Oh, papa. Êtes-vous revenu avec une solution? Je ne supporte plus cette douleur. La douleur se reprend dans tout mon corps. Dans tout mon corps. Cette fois, manquez que juste pour moi, s'il vous plaît, je vais mourir. Nagogate. Nagogate, Pinza. Nagogate. J'étais allé voir le père Francis. Hey. Malheureusement, il n'est pas là. Ils m'ont dit que les bishops Okonecha l'ont envoyé. Hey. Suite à cela, j'étais obligé d'aller voir Eziwa Mado. Il m'a dit ce que je dois faire pour que ta mère guérisse. Hey maman, tu es allé chez Omozo Omodike. C'est juste parce que ma mère. Mon amangai, olinga kina salanini. La sali pizza, Didi. La sali mili pizza. Ça va aller. Laisse-moi d'abord aller prendre le tam-tam. Maman, j'espère. Je pense que le tam-tam ne voudra pas. Ne voudra pas que nous le touchions. Il avait essayé de purifier maman. Mais qu'il n'a pas là. Maman, hey. Oh. Oh. Et wow. C'est pas vrai. Pas vrai.
Donne-moi 10 sang. Je veux 10 sang. Tu as pris mon sang. Remets-les-moi. Ogwansi est bon. Ogudia. Tu n'en as pas assez avec les sangs. Hein? Hey! Regarde-toi. Ta sorcellerie t'a trahi. Ta méchanceté t'a payé. Tu as tué 4 enfants de Gounouma en un jour. Quelle atrocité! Zabako Sabisayo. Zabako Sabisayo. J'ai besoin que 1500 sales garde le Aïla Mambo. Mais non, je souffre. Parce que le I Love Mambo a mal tourné. Ah! Et je vais toujours vivre 2000 ans sur Terre. Regardez-toi, Osali Boma. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un vivre pendant 2000 ans? Hein? C'est vrai, ça va commencer avec. Ça n'arrivera jamais. Je veux pendant 2000 ans. Au moins, ça n'arrivera jamais. Tu ne vivras pas pendant 2000 ans. Tu as fait à ce que ma vie soit misérable. Tu vas rester comme ça. Tu n'auras plus de l'eau ni de la nourriture. Okika. Est-ce que Zoyoka, tu es méchante? Moussiki, hein? Tu m'as toujours aimé. L'amour ne meurt jamais. Si tu m'aimes toujours, donne-moi ton sang comme sacrifice pour l'amour. Qu'est-ce que tu as fait pour l'amour? Qu'est-ce que tu as fait pour l'amour? Mais t'as la main de moi, mon kendegi soukoumi. Hein? L'école a monté ma mambé. Et tu essaies de me parler d'amour. Hein? Oh, souki. Oh, komi, pèse à ma soukanaïo. Il est temps pour toi de mourir. Je ne mourrai pas. La mort est venue frapper à ta porte. Pan, pan, pan. Regarde-toi. Tu n'es rien d'autre qu'un mort vivant. Tu es devenu un cadavre qui respire. Je vais vivre pendant 2000 ans. Tu dois mourir. Qui t'a dit que tu vas vivre pendant 2000 ans? Je ne mourrai pas. Lâche-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas, laisse-moi. Laisse-moi. Lâche-moi, jambe. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne mourrai pas. Lâche-moi. Mais lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pas du tout. Oh. Hé. Hey. Mon Dieu. Où est-ce que je vais trouver ce tambour? Mon Dieu. Où est-ce que ça se trouve? Pourquoi cherches-tu à détruire le tambour secret d'Amarima? C'est à moi qu'il appartient et non à toi. Sais-tu que moi je n'essaye pas de vous détruire? Et soit à cause de l'amour que j'ai pour vous. Ta fille Chizuba, je l'ai envoyée en mission. Et jusqu'ici elle s'en sort bien. Toi et ton fils feraient mieux de lui témoigner de l'amour. Continue à lui témoigner de l'amour parce que l'amour détruit tous les problèmes. Et pour ton fils Tagbo, je vais lui restaurer sa main. Je veux le bonheur pour ta famille. Je vous veux heureux. Sois à nouveau heureuse. Hey! Maman? Hein? Maman? Maman, on va y aller demain. Je me sens mieux. Maman, c'est arrivé. C'est arrivé comme magiquement. Soudainement, j'ai remarqué que tout a changé. Oh mon Dieu. Maman, comment avez-vous fait? Ah. Et où moi? Hé hey, maman. Au Kondi Maté. Hé. Y'a solo. T'as tout bien reparti, non? Ah ah. Et c'est l'union, son frère, t'es qu'un homme. Attends-moi, la gueule. Attends-moi, ma fille. Attends-moi. Ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Ndekonangai. Bonne arrivée, hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est un rêve? Non. Ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Ton frère est guéri. Maman, j'espère qu'on n'a pas touché au tam-tam secret. Moi, hein? Le tambour est intact. La femme qui t'avait confié cette mission, elle était venue et elle a guéri ton frère. C'est quoi ça, maman? T'inquiète, toi, c'est une sage femme. Oh, je suis si contente que Tagbo ait été guéri. Mais je ne crois pas que Ugoloma soit venue dans cette maison. Ça, je ne le crois pas. Elle était ici? Elle était là. C'est elle qui a guéri ton frère. Oh, grande femme. Merci pour la paix et l'harmonie
que tu as restaurée dans cette famille. Merci beaucoup. Ouais, maman, donne que j'ai. Oh, ta voix. Merci, Félix. Mon Dieu, merci beaucoup. Maman, regarde ça. Pour m'avoir guéri. Je te remercie, oh. Oh, mais ça, c'est un rêve. Il n'arrive pas à le croire. Devant, oui. Comme derrière. Vous ne trouvez pas que c'est un miracle? C'est vraiment un miracle. Maman, attends. C'est bon, ma fille. Maman, attends doucement, attends. Doucement. Hey. C'est toi. Hein? Hey. C'est bon, ma fille. Maman, j'ai mal. Je sais. Ah, ça fait mal. Force-toi, chère, force-toi. Ça fait mal. Non, ma fille, s'il te plaît, force-toi. Force-toi, vraiment. Ma fille, s'il te plaît. C'est bon, ma fille. Ok. Doucement. Ok. Comme ça. Allez. Ok. Avance. Que je tire la porte. Ok. Avance. Doucement, ma chérie. Ça va aller, hein. Comment ça? Essaye un peu de avancer. Ça va aller. Maman, mon garçon, on doit aller. Oh, ma fille, donne ça. Ok, allons-y. Je veux juste qu'on puisse l'enterrer aussi tôt possible, maman. Oui, c'est bon. Tu dois aller informer tes oncles. Je ne peux plus me rapprocher de son cadavre. Asa Solomon Bé Matas. S'il te plaît. Avant que tu n'ailles informer tes oncles, entrons d'abord là-bas, allons les couvrir. Hein? Allons-y. Omega. Lelo Benzande à Suki. Tu as vu, maman? Regarde ça. Hey! Il est mort. Il est mort, oui. Ton âme ne sera jamais en paix. À cause de ta méchanceté. Akukaria. Ogwanzi et Boué. Tu ne vas pas mourir en paix, mais par pièces. Maman, finalement, nous sommes libres. On est libre, bro. On est libre. Avant que tu n'aies informé tes oncles, aide-moi à les couvrir. Faites attention, maman. Maman, ne les touche pas. Couvre aussi là-bas, maman. C'est bon, mon garçon. Non! Je suis toujours en vie. J'avais du sang. Oui, le sang. Je dois voir comment vivre mes 2000 ans sur terre. Donnez-moi du sang. Donnez-moi du sang. Infirmière! Et mon bébé, mon ventre commence à me faire mal. Infirmière! Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre me fait mal. Ça va aller. J'ai pas rappelé le docteur. Oh mon Dieu! Thank you.
Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, mais ça veut dire quoi? Docteur, 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 s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, ma fille, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, docteur? Docteur! S'il vous plaît, calmez-vous. Comment veux-tu que je vous calme, docteur? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Réponds-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, hein, mon Dieu? Ma chérie, réveille-toi, mon Dieu. Ma fille, réveille-toi, ma chérie, réveille-toi. Ah, mon Dieu, à l'aide. Oh, c'est quoi, ma fille, réveille-toi. S'il te plaît, tu m'as dit, réveille-toi, ne me fais pas ça. Non, non, docteur, docteur, reviens, docteur. Non, ma fille, réveille-toi. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu avais quitté la maison ensemble avec ton frère hier. Qu'est-ce qui est arrivé à Tabo? Oh, Jimo, Zabé le gars de Suki. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tabo va bien. Aïe. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu suivre Tabo en ville. J'ai échoué à la mission qu'on me l'a confiée. Oh mon Dieu. Et maintenant quelqu'un est mort. Tué encore par ce même homme démoniaque. Chai. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi Tagbo a voulu retourner au village. Je sens que j'ai été manipulée par certaines forces. Mais où es-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? C'est bon. Apaise-toi. Ça va bien. Restaure mon corps. Enfin, maintenant que le Oil Love Mambo n'est plus noir. Tu as plus de sang. Le sang de la femme sainte de son fils ne peut pas faire grand-chose. On a encore besoin de sang. Ou sinon, tu resteras comme ça. Tu ne peux le faire pour moi. Je dois toujours vivre mes 2000 ans sur Terre. Oh, Bang Chebe, tu as fait assez de mal. Je suis le gardien avec pas seulement 5 vies, mais 7 vies.
Souviens-toi de ce que je t'avais dit au sujet des hadas, l'humain et l'animal chien. Où étais-tu quand j'ai pris leur sang? Tu as prononcé tes dernières paroles. Chizoba, hein? Pourquoi tu lui parles? Pourquoi as-tu tué la femme d'Ogudidi? Tu n'es qu'un monstre qui se nourrit du sang des autres. Hé hey! Nasuki! Nasuki! Akumeria, Mumingami! Ne le touche pas! Il pourrait se défendre et tu en mourrais. Il est à présent un mort vivant. Akumeria! Et c'est moi qui vais extirper le pot de vie qui te reste encore. Même si tu tiens à échapper à la mort. Mais tu vas mourir. Tu as commis ton dernier forfait. Agogari, pourquoi as-tu tué tous mes enfants? Ton horloge a maintenant fini de tourner. Mes 2000 années. Tes 2000 années de merde. Mes 2000 années. Mais des mille années. Non, Chizoba, non. Chizobano. Chizoba, qu'est-ce que tu cherches? Je suis à la recherche de la tête de ton père. La tête de mon père? Mais sa tête est avec lui là où il est couché là-bas. Il a un cadavre vivant. Et il ne mourra pas tant que je n'ai pas trouvé sa tête. Alors que tu veuilles mourir à sa place. Non, Mbao. Alors permets-moi de terminer mon travail. C'est ici. Ton totem est ici. Tu pensais que personne ne le trouverait? N'est-ce pas ça ta tête? Je t'avais promis que je t'aurais. Je t'avais promis que je te tuerais. Tu pensais être le plus malin. Et tu pensais que tu ne mourrais pas. Tu pensais que je ne t'aurais pas. Le dieu Mambondo. La mort a finalement réussi. Chizoba. Il est mort pour de vrai. Hey. Oh, messagère de la destinée. Ogloma. J'ai accompli ma mission. Je lui ai donné le meilleur baiser de la mort. Chikuka, Chizuma. À présent, tu es libre. Hmm? Et même toute ta famille est libre. Et son nom? Merci, Seigneur. Merci, l'Éternel.
Maman, soldier. Maman. Et Chi, merci beaucoup. Merci. Merci. Ma fille, merci. Je ne sais pas comment te remercier. Que Dieu te bénisse infiniment. C'est bon. Take the money.